Bonjour à toutes, avec plaisir que m'y retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion, et j'espère que vous allez bien réveillé, vous allez en pleine forme. Vous allez en direct, comme on l'avait dit à Zot, et puis m'y salue toutes les personnes bien connectées, bien branchées sur notre réseau, hein, que ce soit sur la télévision, sur les réseaux sociaux, m'y Zot tient beau, serré, largue pas, m'y salue aussi les bonnes auditeurs, bonnes téléspectateurs et téléspectatrices là-bas du côté de la zone océan Indien aussi, qui est bien connecté avec nous. Et puis, bon voilà, une petite journée qui commence bien midiré. Peut-être pas trop d'embouteillage aujourd'hui, hein, parce que, bon, ben, on a un peu dû faire bien comme qu'il faut cette bonne cause depuis le 23 décembre, depuis le début du mois. Et donc, pas trop, peut-être pas trop, mais... On met pas ma main au feu, bon voilà. En tous les cas, l'actualité, bien, comme m'avait dit Azot, l'actualité, il faut faire attention avec, il faut bien dire entre les lignes, parce que, en général, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, on a un grand fossé. Voilà pour ça, et nous les partis avec ce rodéo de Noël au port, avec deux jeunes brûlés, après, la tape ensemble, hein, les deux la battent ensemble, deux motocyclistes, et prenez part à un rodéo sauvage, le jour de Noël, le 24 au soir, elle a été impliquée dans un grave accident, les deux jeunes, la percute Azot, hein, entre Azot et les réservoirs des bandes moto, l'a explosé. Hein, donc, on a une vidéo qui tourne sur les bandes réseaux sociaux. Hein, il montre Azot un petit peu comment il est. Le bonnes affaires. Hein, donc, une des personnes a été grièvement blessée. Voilà ce qui arrive un petit peu sur ce machin. Donc, elle a été touchée, elle a été transportée dans l'Hexagone pour subir une greffe. Donc, ça, tu vois la gravité de la situation. À La Réunion, ils ne gagnent pas faire ce type de greffe-là. Tu es obligé d'emmener là-bas du côté de la France. C'est un très violent accident qui a été produit dans le réveillon de Noël, dans les rues du port. Deux jeunes, elle avait pris part à ce traditionnel rodéo sauvage. Hein, souvent, rodéo sauvage de l'autre côté là-bas. Pas rien que du côté du port, pas à tous les noms. Ça ici, hein, La Réunion, hein, du côté de Saint-Jean, là-bas, par Atonina, Saint-Joseph, là aussi. Donc, rodéo sauvage, les habitants des différents quartiers, donc, étaient choqués, hein, donc, par rapport à ces deux motocyclistes-là. Plein fouet, de la percute Azot, entre Azot. Voilà ce qui arrive un petit peu, hein, les flammes, là, brûlées, les bandes Mouna. Et quand tu connais, quand il fait ces bonnes gens de rodéo sauvage-là, la pointe de service de sécurité, la pointe des pompiers, elle est à côté, juste pour dire s'il a pété, les affaires, bon, bah, il gagne sauver vite fait. Là, t'es fallu attendre. Et est-ce qu'il avait des extincteurs aussi à côté, voilà. Et puis le monde dans ces cas-là, il prend peur, ben, il court, chacun il court de l'autre côté là-bas, bon, on veut pas mal trop là-dedans, hein. Voilà pour ces histoires d'accident là. Et puis vous dire à Zot en cette fin d'année, il faut faire très attention et puis pas jouer avec Zot vie et surtout pas jouer avec la vie de Zot camarade aussi, hein. Là aussi c'est ce que moi me dit à chaque fois, hein. Donc, nous va aller du côté de Saint-Gilles. Beaucoup de faits divers dans ce causé La Réunion-là, comme d'habitude. Hein, donc, à part les faits divers et la guerre, voilà, on n'a pas grand-chose à annoncer. Et les politiques qui annoncent à nous toujours des choses que l'a déjà été dit. Nous voit pas trop. Le jour que dans l'actualité va annoncer à nous une bonne nouvelle, vraiment une bonne nouvelle pour les Réunionnais ou le monde, ce sera vraiment ce jour-là, les poulons ont des dents, comme on a dit, hein, le proverbe français là. Bon ben voilà, donc pour cette histoire-là, et à Saint-Gilles, écroué pour viol d'une invitée lors d'une soirée de coach sportif, ben lui est rattrapé par son passé. Nouvelle comparution de sa demande pour Fabrice Gilles devant la chambre de l'instruction afin de contester son prolongation de détention. On a décidé récemment, le juge des libertés et de détention, le quinquagénaire les soupçonnait de viol sur une personne vulnérable lors d'une soirée dans la maison, dans sa maison à Mont-Roquefeuille. Et au fil de l'enquête, la parole des personnes que la fréquente le coach, ben, il libère Azot, hein, ben, il montre plus à la perversité du bouc. Avant, vous n'avez pas trop vu, mais là, Zotti commence à causer. Mais Zola fréquentait toujours le bouc, hein, quand même. Zola partie à son man coaching là, donc peut-être avec un esprit un peu bizarre par derrière, mais voilà. Et il dit au combat, ben, comme d'habitude, c'est ben le bouc. Là, il habille Azot bien machin, bien soigné. Donc, Zotti arrive dans le tribunal. Voilà. Apparemment, il porte la seule chemise qui reste à lire, donc parce qu'il était mis peut-être en garde à vue là-bas du côté de la geôle là-bas, donc maintenant la vole toute peut-être, non. Alors le quinquagénaire a été invité à prendre la parole à la fin de l'audience en ce qui concerne pour expliquer à la maison, voilà, que sa maison de l'Ouest, comment elle avait été venait d'être cambriolée, donc et tout ce qu'il trouvait dedans sur son dressing.
signes avaient disparu. C'est pour ça qu'il est arrivé dans le tribunal avec simplement un seul chemise qu'il a pu trouver par assiette dessus lui déjà. Donc voilà, peut-être. Donc voilà, ben là, il comprend toujours pas pourquoi le père a été incarcéré depuis février dernier. Hein. Ses enfants, ils comprennent pas, hein, apparemment. Hein. Faudrait peut-être bien expliquer ses enfants pourquoi du comment. Hein. Depuis février dernier, avant sa mise en examen pour viol sur personne vulnérable, une situation que les déplorée par son avocat. Comme d'habitude, l'avocat, ben, il n'est pas content. Donc voilà, voilà, pas tirote de bonne citation là, mais il n'a pas touché non plus ces bonnes juges que l'entraîne machin. Donc, ben là, il dit oh, comme ça, l'avocat, il dit, il a point de charge dans le dossier, charge qui pourrait vraiment incriminer le bouc. Hein. Bon, l'avocat peut-être était sur place aussi, peut-être aussi il te connaît tout aussi. Hein. Ben, l'avocat là connaît, hein. Ben là, il connaît un tas d'affaires, hein. Même si vous ne connaissez pas, tu connais aussi ça. Hein. Bon, en septembre 2021, l'intéressé y donnait une réception dans les Hauts-de-Saint-Gilles au cours de la fête. Une de ses invitées, ben, elle a senti elle mal et elle est partie installer elle dans la chambre du maître de maison, hein, du bouc là. Ailleurs, elle a point chambre d'amis, point rien, partie dans la chambre le bouc même. Bon, elle y explique que le bouc l'aurait rejoint à lui pour et la viole à elle. Donc voilà, confondu par une analyse ADN aussi. Donc, ben oui, là, c'est un affaire qu'il jouait pas, hein, donc là, fait le machin. La relation sexuelle du quinquagénaire, bon, il dit, oh, comme ça, elle a été dit, ok, d'accord, j'ai lui a fait ça. Donc, le juge d'instruction de Saint-Denis n'a pas joué avec lui. Alors, donc, voilà, donc, le problème, c'est Maître Iqbal Hakoun. C'est un avocat que nous entendons souvent parler dans ces affaires-là, nous. Hein. Donc, dans l'actualité, comme il voit, là, hein, pas spécialement, mais on entend souvent cet avocat-là. Alors, son avocat l'a demandé une contre-expertise des prélèvements effectués sur la victime. Bon, supposé, hein. Donc, maintenant, voilà, la victime supposait une contre-expertise. Bon, comment il fait ce contre-expertise-là? La banane n'a pas jeté les échantillons, mais espère, hein. Donc, parce que depuis le temps, les bonnes affaires finissent avec, hein. Plus rien. Donc, ce que je me disais, hein, les échantillons l'ont été jetés. Donc, du coup, comme l'avocat l'a vu que les échantillons l'ont été jetés, donc il a demandé une contre-expertise. Bon, là maintenant, scientifiquement, est-ce qu'il est possible de faire une contre-expertise? Non, je ne pense pas. Mais les affaires finies, le fond finit là, ben, il finit bien, il finit nettoyé, et puis son corps finit rejeté, tous ces altes étaient dedans là, toutes ces affaires là, ces flux là étaient rejetés. Hein, donc voilà. Du coup, tous les moyens, les bons pour essayer de trouver une solution pour tirer le bouc dans ce malaisé là. Voilà. Ben nous, comme moi, midi à chaque fois entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est vrai comme il nous cause comme ça en créole, on a l'impression que nous rentre dans le train banane. Non, mais rentre pas dans le train banane. Hein. C'est la manière de causer en créole. La plupart du temps, il donne l'impression que ben, nous l'en colère. Nous, ici, moi, l'en colère. Ou sinon, on va pas en colère. Moi, on m'a dit à ça comme ça. On m'a habitué à faire mon truc comme ça. Donc, c'est pas une question. Ça, c'est que est-ce que quand on nous pose la question des fois dans cette histoire-là sur le fond du affaire, est-ce que vraiment elle se passait comme ça ou pas se passer comme ça? Voilà, ça c'est assez intéressant de savoir. Mais malheureusement, on ne connaîtra pas. Des stupéfiants, les contrôles, ben, il dit, oh, comme ça, ils enchaînent aux quatre coins de l'île. La police, bon, ben, comme Ban de Moon, la plupart du temps, là, en train de faire la fête, ils sortent pas trop. Donc, vous avez vu, le week-end de Noël, là, il y a eu que 75 infractions, à peu près, hein, pas plus, au lieu de 400, 500, de Moon Réseau de cas. Donc, maintenant, la police, ils rabattent à Zot sur la recherche, ban pieds à mal, ban stupéfiant, tout ça là. Donc pendant Zotti est en train de faire la fête, des trucs comme ça, ben là peut-être il traverse, il garde dans la coin de moon par hélicoptère, tout ça là, ben il vient regarder s'il a pris un pied à mal pour y saisir où le joueur de machin. Tous les moyens, les bons, hein. Il veut dire oh, quand on a bien fait la fête, le bougla plante un petit pied dans un coin là-bas, tracaille, maillaille bien directement, hein. Donc voilà. Et puis il est là, c'est atteint, d'après ce que moi l'entends, dire, il plante dans la case, donc voilà. Et puis bon, les planteurs là, il est un peu vicieux aussi quand même, hein, comme là il plante ça apparemment un peu comme la France, ça va, mais là il a découvert un peu comme la France. Peut-être même les oreilles aussi, ils plantent ça aussi, hein, nous connaissons ça aussi. Hein. Donc ben ils plantent ça sous serre, hein, des fois les alimenter par l'électricité, des trucs comme ça. Attention à ça, hein, mais si vous en avez deux personnes, vous consommez un tas, une personne ou deux personnes, vous consommez un tas courant, là, petit compteur Tini, EDF. Là-bas, il cap signal ça, la police, là-bas, bougla, il consomme trop, formula, il consomme trop d'électricité. Il y a une affaire là-dessous, mais là, il y a contrôle à Zot aussi, hein, parce que tous les moyens, les bons, hein. Tu connais comment nous les suivis, regarder dans tous les trous, hein. Donc, on a un téléphone, on a à gauche, à droite, il ne pas, hein. Donc, pour multiplier les contrôles anti-stupéfiants, donc, ben là,
en est parti à la plaine des Palmistes. On a aussi des contrôles depuis la semaine dernière. Donc, entre 15h et 18h, à la plaine des Palmistes, pas moins de 8 gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît, de l'escadron de gendarmerie mobile de Mayenne, en déplacement sur l'île. La Tirbonne Zoreille, là-bas, il n'y a pas de vacances ici, la Réunion. C'est-à-dire, en attendant d'autres pas de vacances, en attendant de faire rêver la journée. Allez, rôder un peu, Manzamanien, là, fumer, là, planter de. Ici, après, la coque, ils ne font pas coca ici, hein. Ils ont pas papier coca ici, hein. Donc, là, point. Donc, avec une équipe cynophile, le chien, tout ça, mobilisé. Donc, ça prend ses travails, l'autre côté, là-bas, en France, là-bas, ben gendarme, l'autre côté, là-bas, ici, il voit vraiment que, après, il dit, là-bas, il manque à cette militaire, il manque à cette ici, il y a des accidents, patati, patata, là, point, c'est le monde. Ah, mais remarque aussi, le premier, dans ces périodes des fêtes-là, les ministres, ils sortent pas, là-bas, il n'a pas besoin à autres trop pour aller, couder, ben, ministre, là, pour faire la sécurité. Donc, il vient ici, il vient voir si le monde l'a planté, il a pas planté pieds à mal, ben, train comme mal, hein. Bon, après, c'est un grand travail aussi. Attention, aller rôder des stupéfiants, tout ça, c'est un gros travail. Attention, ben, le bouc, là, il faut avoir, bac plus 50, ça. Attention à ça, les gars. Bon, je suis planté ça, là. Maintenant, on a le DEC. Maintenant, aussi bien que, à force que ça, tu fais respirer le chien, ben, la drogue, le DEC Zamal, le DEC toute, cocaïne, tout ça, pour, ça, tu dresses le chien pour faire ça. C'est que ça, tu dresses pas le chien n'importe comment. Quand il dresse le chien, là, ben, il dresse avec les produits stupéfiants. Il fait sentir à ça à chaque instant. Et à force que ça, qui sont ça aussi, qui a d'autres aussi, peut-être des camés aussi, on ne nous connaît pas non plus, hein, voilà, qui se ressemblent, s'assemblent, hein, après, il ne vient pas dire que, machin, comme il dit des bêtises, hein, bon, voilà, contrôle 45 véhicules a été vérifié, d'autres occupants aussi, au total, 83 personnes, des militaires, a délivré 2 amendes sur tout ça là, forfaitière avec un lien avec les stupéfiants. Sur 83 personnes, bon, pas grand-chose, si on calcule en pourcentage, 0,1%, voilà, donc ça c'est assez machin. En tous les cas, ben a trouvé des jolis pieds de Zamal, apparemment, t'es prêt à être vendu, donc là mettre machin. Ben comme il veut dire ça tout à l'heure, moi veut dire ça, faut faire très attention. Justement, parce que mi voit sur Facebook, ben de moon, ben jeune là, ils mettent les affaires pour vendre, mettent le joint pour vendre, ils mettent les affaires pour vendre dessus comme ça là, en faisant des pseudos, des trains comme ça là. Attention à ça, hein, malgré les VPN, soi-disant entre guillemets les VPN ou machin, tout ça, ben ils trappent pas ça, ils connaissent exactement cette idée, hein, ils récupèrent l'adresse IP avec réseaux sociaux là-bas, ils connaissent exactement cette adresse au numéro près, hein. Très attention à ça, hein, voilà. Donc, si des fois qu'on regarde dans les moteurs de recherche, il dit approximativement où il a été localisé, approximativement tel endroit, Saint-Pierre, il dit pas où là, mais attention, hein. Ben, avec ce matériel-là, il arrive bien à savoir exactement où ça vous fait, hein. Voilà. La ville de Saint-Paul, il prépare lui pour la Saint-Sylvestre. Voilà, donc Saint-Paul, comme d'habitude, comme chaque année, toutes les communes, ils préparent ça. Donc la ville de Saint-Paul, bon, il prépare pour les festivités du Nouvel An. Et maintenant, il y a pour dimanche 31 décembre, entre 30 000 et 40 000 réunionnais les attendus sur les plages de l'Ouest pour célébrer la nouvelle année. Donc tant mieux pour Zot, hein. Il faut aller réapproprier à Zot l'espace à terre-là. Il y a aux réunionnais, 30 000, 40 000 réunionnais ici. Donc la communauté, la commune donc qui fait le point, elle a fait le point sur la sécurité, la prévention aussi des interdictions qu'on va appliquer à la Saint-Sylvestre. Donc, fait que Nena aussi, du fait qu'on a une grosse concentration de personnes sur les plages, donc il conseille d'aller faire un réveillon sans feu d'artifice, hein, donc comme vous voulez, ou sans pétard, pas de pétard, pas de feu d'artifice, pas d'alcool, reste notre case alors, non? Parce que c'est un milieu extrêmement sensible, c'est ce qui rappelle le maire de Saint-Paul, est extrêmement sensible pour les gens qui habitent dans ce quartier-là. Faut bien dire que c'est un quartier vraiment sensible, t'es là, ben rien que villa, là, avec la piscine, n'a rien que machin, donc la poitouille, hein, donc comme dans la forêt, peut-être là deux trois l'endormis, hein, donc voilà. Donc on peut faire la fête sans ça, parce que lui arrive à faire la fête sans pétard, mais c'est vrai, sans pétard on peut faire la fête, sans boire un petit coup on peut faire la fête, et peut-être pourquoi pas faire la fête sans manger aussi. Là aussi c'est bien aussi, sans rire, sans crier, sans faire rire, parce que quand il fait la fête dessus la plage là, de monde, il crie un tas, hein, donc là aussi, ben peut-être qu'il dérange. Peut-être de dire faire la fête sans ça, peut-être il dérange son man, ses man citoyens que qui vivent à Théala, qui a besoin de ne pas faire la fête et que Zot, il veut le quartier Tazot tout seul. Et voilà, c'est tout. La pointe d'autre solution à dire que bon, il faut pas faire. Fait la fête. Déjà, le préfet l'a interdit de vendre pétard. Le préfet l'a interdit de vendre un peu la raque à partir de 18h ou machin.
Parce qu'en fait, sur le pétard, il est compréhensible. Il y a les chats, il y a des chiens, tout ce truc-là, il fait peur à les autres aussi, il est compréhensible. Puisque dans le quartier, les autres, ça va derrière le chien, donc il peut faire tout le chien, il peut courir partout, le chien, tout ça, même très comment. Mais Miko peut comprendre les autres là-dessus. Et après, des fois, les annonces que Bana, il fait, par exemple, dire, ils vont me piler l'alcool à partir de 18h. Quelqu'un qui le monnaie couillon, la plupart du temps, va attendre juste 18h pour aller chez la rac aux autres bois. Elle fait provision depuis avant, au contraire, ou incite à les autres à aller acheter dans le commerce encore un peu plus encore. C'est ça ici, il faut réfléchir dans cette erreur. En tous les cas, Bana, il y aménage de l'autre côté là-bas. La route a des restrictions de circulation pour en azote dans l'ouest. Déjà, non, mais il y a des bloqués partout la route. À 15h, les rues seront en sens unique. Donc voilà, circulation entre l'avenue de la mer et le long de la plage sera en sens unique, c'est ce qui prévient le maire de Saint-Paul. Il faut que les espaces les dégagés pour la circulation des pompiers, tout ça là. La Fourrière va intervenir si les voitures, elle n'est pas gazonne l'auto n'importe comment. S'il est stationné sur la voirie, prévient le maire. Donc, entre 30 et 40 000 personnes, mais posez-moi la question, entre 30 et 40 000 personnes, s'il y a 10 000 personnes dans ma gare, la Fourrière, elle est capable d'encaisser 10 000 voitures, t'es là. Ou sinon, ça va en avoir quoi des amendes sur l'auto plus qu'il faut. Ben voilà, ça c'est un autre affaires encore. Après, près de 300 personnels de sécurité, 300 pour 40 000 personnes, c'est vraiment une misère. Donc 1 pour 100 à peu près, me dirait, sera mobilisé. Des jet skis va circuler, des jet skis la nuit au 24 décembre dans la mer bas. Bon, là aussi, c'est une autre affaire encore. Jet ski dans la mer. Il fait noir de l'autre côté là-bas. La mer sera éclairée, quoi. Ou sinon, ça, depuis de loin là-bas, maintenant, il s'applanque le phare de Sud-Moon pour veiller. Alors, la gendarmerie sera présente aussi. C'est Saint-Gilles dans le quartier à Thébad. C'est ça, c'est la gendarmerie. La gendarmerie gère ces affaires-là. Donc, la commune y appelle par ailleurs que chaque habitant les invités à prendre toutes ces saletés, à mettre cette case là-bas, cette case là finie, et pas laisser sur le truc là-bas, parce qu'ils risquent de déranger. Ou sinon, ça, là, des camions. Mais ils pensent qu'on a dû mettre des bennes poubelles, tout ça là, pour mettre dedans. Et là aussi, il faut avoir du fair play. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas jeter de la saleté partout, de n'importe où sur la plage, partout, Donc, voilà. Mais quand même, il va dire aussi que Bana va distribuer un bon nombre de sacs poubelles, les prévus, et puis pour que chacun y gère des déchets bien comme qu'il faut, qu'on finisse bien péter le corps, tout ça là, un peu l'arbre, ça a terre, une bouteille, tout ça, sur le bord de la mer, l'arbre, ça a terre, machin, voilà. Et puis, dis-nous comme ça, ta marraine, bien sûr, va faire un travail que vous avez payé pour faire. Attention, quand on a dit comme ça, ban bougla sur aller sur le terrain pour faire des trucs comme ça là, mais c'est un ban boug que les fait pour les payer pour faire ça. Donc, de faire votre travail le 1er janvier. Donc, c'est pas que le fait que vous êtes travaillé le 1er janvier les choquant, non, mais c'est un corps de métier où ils travaillent le 1er janvier, donc là, pas de problème. Et ça, pour que le 1er janvier au matin, maintenant, on commence à nettoyer tant toute la nuit et pour que la plage il redevient normal, c'est ce que Bana dit. Et puis il rappelle aussi pour quand on nous entend dans le journal de dire tel corps de métier il travaille, tel machin il travaille, mais il faut bien dire aussi que ces corps de métier là, ben les payer pour travailler à ces heures là. Après il faut pas foutre la merde partout, donner un chemin partout pour être dégueulasse, être sale aussi. Donc certains corps de métier, c'est comme la police, ils disent la police travaille, il fait pitié, il travaille la nuit, il travaille, non, vous allez payer pour ça, gagner salaire pour ça, travailler la nuit comme ça là pour y donner contravention. Faut bien que les bandes qui embauchent à Zot, faut bien que l'État gagne l'argent pour gagner payer à Zot, il faudrait bien que tout ça, il y en a un tas à faire, comment on pourrait dire, moi là c'est direct là dessus mais il est comme ça, n'a point de sous métier, et puis tous les métiers bon les fait pour machin, moi mes le grand matin, on me fait un journal, il aime bien faire ça, mais viens, il fait mon métier, il fait ça. Peut-être 31 décembre, peut-être 1er janvier, moi, il fait un journal, il fait un journal, mais moi, il plaît à moi de faire ça, mais c'est un peu comme les bons métiers, je suppose. Voilà. Alors, porté disparu depuis la semaine dernière, le père Guy Warhol a été retrouvé, le corps retrouvé le samedi 23 décembre, en fin de journée, sur le front de mer, il rappelle cette information-là, au parc de la Jamaïque de Saint-Denis. C'est bien le corps a été retrouvé, le père Guy Warhol, qui a été porté disparu depuis mardi dernier. L'homme d'église a été vu pour la dernière fois à la paroisse de Saint-Jacques du côté de Saint-Denis après la messe du matin. Le père Guy Warhol n'était pas revenu de son habituelle promenade grand matin. Donc sa famille, elle avait alors alerté les forces de l'ordre
que l'avait publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Hein, en ces derniers temps, il était désorienté et il souffrait des troubles de mémoire. Donc c'est pour ça que là, quand les personnes y arrivent à ce stade-là, des fois, c'est assez compliqué aussi. Hein. Donc nous les partis avec Mayotte, hein, Mayotte qui regarde à nous, on a des Réunionnais, des Réunionnaises qui sont à Mayotte qui textent à nous, on a des Mahorais aussi textent à nous, donc en fait mon français, mon créole est assez compréhensible, tant mieux pour autres, hein, donc c'est moi qui ai eu des retours là-dessus. Bon, on va continuer comme ça, hein, donc voilà. Le département de Mayotte, à l'initiative d'une réunion sur les violences de territoire, le président du conseil départemental Benissa Ousseni, donc l'a mobilisé, les élus locaux dans un ensemble là et les acteurs majeurs du territoire, mardi 26 décembre à 9h pour à la maison pour tous, hein, la MTP de Dambéni. L'objectif de ce rassemblement est de poser les jalons d'une réflexion nouvelle collectivité sur les violences de l'île, une réflexion qui sera ponctuée sera ponctuée par des solutions concrètes mises en œuvre assez rapidement. Là, nous va bien voir. Ouais, c'est vrai que Mayotte, l'année que l'arrivée là, l'année ça finit là, mais au courant de cette année, on a eu quand même pas mal d'effets de violence, hein, beaucoup de faits de violence, beaucoup de trucs d'immigration aussi qui a été traité. On a aussi pas mal de choses, hein, donc on a aussi de l'eau, le problème de l'eau à Mayotte. Hein, apparemment, Mayotte en a vraiment un gros problème en ce qui concerne l'eau. Les personnes les ennuyaient, l'eau les sale. Donc, et nous, on a pu entendre parler des bouteilles, hein. Il y a eu 150 000 ou 200 000 bouteilles d'eau qui a été livrée de l'autre côté là-bas. Nous n'entendons pas, hein, donc nous n'entendons plus parler. Est-ce que les encore d'actualité? Est-ce que ces bonnes sociétés qui gèrent de l'eau de l'autre côté là-bas, ils font leur travail correctement? Ou sinon ça, ils continuaient à encaisser tous les mois les factures d'eau, hein. Ici nous connaissons la Réunion, de l'eau il coule pas, de l'eau les sales, les pas sales, pas avec ça, hein. Donc voilà, en plus c'est des sociétés, les pas basées, c'est pas des sociétés mahoraises ni réunionnaises, c'est des sociétés au pays des oreilles là-bas qui vient ici à la Réunion pour faire notre business. Et en plus attention, vous allez pas quand ces autres pas plus contents que tout le monde, hein. Donc voilà. Et puis voilà. Et moi une petite information sur le fond de la, en parlant de l'eau, depuis plus d'un mois de l'eau, il y en a 2-3 robinets cassés dans le fond de la rivière Saint-Étienne là-bas. Robinet de l'eau potable là-bas qui coule, qui pisse de je sais pas comment. Et il faut dire aussi que c'est les gens qui payent des impôts, qui payent tout ça là, les frais, les taxes communales, tout ça là sur les factures d'eau, les faits pour ça. Alors bouge à un peu, déplace à zot si on en a un clé ou un robinet coup de bon marché là, je sais pas moi, si zot canne un vieux robinet là-bas dans la commune là-bas, allez visman robinet là, parce que le problème c'est qu'ils perdent de l'eau, ouais, t'as con, hein, c'est des milliers de mètres cubes qui perdent. Et après dis-nous de l'eau il coule pas, de l'eau faut des restrictions d'eau, il faut pas mettre la piscine, il faut pas baigner machin, il faut pas laver l'auto, il faut pas la faire. Pendant ce temps, des milliers de mètres cubes de l'eau, ils coulent là-bas, dans le fond de la rivière là-bas, et en plus, c'est des robinets d'eau potable. Donc, si Banaï entend au moins ce manbug, des fois, il passe à côté, il tourne là-bas, il vient faire des ronds, il regarde comme ça. Là. Bon, mais après, là, c'est une autre histoire encore. Hein. Les bouges, les autres, un peu, essaye, fait un peu de travail quand même. Les compliqués arrivent à dire, mais s'il voit les trop cassés, ben, de Mouni casse quand même, c'est Ban robinet. C'est vrai que nous, on est un peu sauvage là-bas, il prend le robinet, il casse, il y a même des autres cases là-bas, supprimer le robinet. Robinet, après c'est tout, moi personne n'y utilise pas. Après, bouteille de l'eau de donne réservoir de notre loto, on a bombé l'auto, ça non, mettre dedans, après ça va bien voir comment il faut faire aussi, hein, je ne connais pas. Ou sinon, ça, mettre un bon avec à payant et après le mouni mettre sa carte bancaire dans l'île de l'eau et tant que machin, il connaît le dernier service, elle a cassé. Voilà. Allez, nous les partis en Russie, un Père Noël qui meurt après une chute de 24 étages. Bon, voilà, un Père Noël Russie, de la Russie, une animation qui a tourné au drame. Alors, lorsqu'un grimpeur professionnel payé pour jouer le Père Noël a chuté devant les spectateurs. La scène, il fait froid dans le dos. Un homme de 49 ans, grimpeur professionnel, est mort après une chute de 24 étages dans la ville de Tcheliabinsk, donc à 1500 km à l'est de Moscou. Il avait été engagé pour jouer au Père Noël pour un événement communautaire organisé par le voisinage. Lorsqu'il a commencé à enjamber la balustrade, les projecteurs ont été braqués sur lui. Un projecteur a été braqué sur lui. Sur la vidéo, il avait des enfants, il était content, ouais, il y a été écrit l'assassin était content, tout le monde était content. Le boug l'a perdu prise et l'a tombé du 24 étages. Imagine les hauts 24 étages, hein, donc c'est quand même assez haut. Hein. Et donc en pensant probablement que tout était prévu, certains spectateurs l'a rigolé, était content, là saute en l'air, tout le machin comme ça. Et ben voilà, du coup le boug est mort, l'enquête est ouverte, l'a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame. Hein. Bon, on va bien attendre bien sûr. Hein. Et puis nous on est parti dans cette
histoire-là, il se passe beaucoup de choses là-bas du côté de la France, là-bas, un préfet divers, pas rien qu'ici, là-bas aussi, il y en a. Une famille a été décimée, le père est suspecté, il est en fuite, les corps sans vie d'une mère, de ses 4 enfants, a été découvert dans un appartement de Meaux le jour de Noël. L'enquête pour homicide volontaire a été ouverte et le père, c'est le principal suspect qui a été recherché. Il dit que c'était un terrible dame qui a endeuillé Noël dans la ville de Meaux en Seine-et-Marne. Le corps sans vie de 5 personnes, une mère, 4 enfants, elle a été découverte dans un appartement. Voilà. Et apparemment, quand nous on a eu des informations hier en fin de soirée tard aussi, il paraît que le bouquet souffre des troubles psychiatriques. Donc là aussi, c'est notre histoire encore, hein, assez compliquée en cette fin d'année-là. Nous, on est parti avec Gramoun l'a dit, nous, bon, ben, ça fait ça. Le matin, tu adores mon Dieu, le soir, tu adores le diable. La chanson de Gabi Lakin aussi dit ça. Donc, c'est comme c'est un grand matin, mettre une chanson de l'église, la prière, alléluia, le Christ est vivant, voilà. Et puis le soir, et rien que chanson, ça fait un peu bizarre, comme le groupe, il chante Chien de Nid, là. Ah, Future Groove, Future Groove le soir. C'est raison. Bon, allez, donc, un petit point de vue sur la météo. Ce matin, la Réunion, le temps, les gaillards, quand même, peut-être un peu maf dans les hauts, peut-être quelques farines à plus en plus. Maurice n'a du beau temps, et un peu maf aussi, comme la Réunion. Et puis, du côté de Mayotte, à quoi? Mais il y a de la pluie, apparemment, les prévus. Voilà pour ce causer la Réunion. Une petite image du côté de Saint-Pierre pour vous autres, pour apprécier là-dessus. Ce causer la Réunion, l'a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Moi, Mido Nazot, rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens bon ensemble, on y retrouve.